tout le monde député qui est au pays présent, y compris Daniel Selvon, et Nita aussi parmi nous. Ben, moi, pour tout ça, un bon nombre de points d'actualité, et comme toujours, bon éclaircissement, bonne question qui est dans l'eau, ça, bon point là, ou bien n'importe qui l'autre point. Premier point, Divali et Aniro Jack, Natara Rodrigue. Nous tenir à dénoncer la façon qui Navin Ramoulam surtout, mais Pravin Jagnat aussi, une politise d'une façon inacceptable faite de Divali. Et pour nous, c'est un manque de respect. Une grande fête, manière qui s'adéla là une composote. Et c'est pourquoi nous dénonçons le plus fermement possible notre manque de respect et la politisation inacceptable de fête de Divali. Il a commencé avec rassemblement Sanatan Dharma Temples Federation au réduit. C'est inacceptable. Un premier ministre qui clairement il organise une petite équipe de ce bandimoun pour piper. Et Ramoulam qui, de son côté, pareillement, il organise une petite équipe, une cinquantaine de dimoun chaque côté. Et dans une fête sacrée, comme la fête de Divali, c'est à qui peut crier plus fort qu'il autre. Navine-nous les rois, pravine-nous les rois, navine-nous les rois. Non seulement il est ridicule, mais c'est un manque de respect, c'est vraiment inacceptable. Et m'aurait dit à l'Iti Claire, qui pravine directement, en tant que premier ministre, il a organisé. Et de ce côté, Navin Ramgoulam, lui, c'est son comportement habituel. Lui aussi, il finit organisé de ce côté. Et depuis ça, il continue. Surtout, Navin Ramgoulam. C'est honteux. Poussène de Djimouna organise, ben, soi-disant, fête Divali à droite, à gauche, dans tel village. Juste pour la cause politique. Et cheap politics. A fait une promesse électorale, à dénigrer son adversaire. Seulement, adversaire, la province Jagnat, pas de plus grand niveau, hein, pas de plus haut niveau. Ni aussi, il a gagné l'occasion, elle connaissait pas bœuf souvent manger, non, la sirène qui mangeait, ben, causer enfantin. C'est ridicule, mais inacceptable de part et d'autre. Vraiment, mon Navin Ramgoulam, selon ce qu'on a l'habitude, totalement inacceptable. Mais Pravin Jagnat, pas d'un meilleur niveau dans tout ça, qui que ce soit. Quant à Aniro Jagnat, nous tenir à présenter nos excuses à la population rodriguez. Voilà un mentor au ministère, un sage, un mentor au ministère qui a le Rodrigue. Là-bas, je peux pas dire, je ne peux pas couler, je peux madame peut manifester. Et elle joue aux autres, elle a une insulte ou une jury, comme dit Causé. Je ne peux pas venir ici pour bien les autres, moi. Un causé blessant, un causé insultant, pour lequel, comment on peut dire, je tenir ce qui nous enseigne, mon frère Rodrigue, connaît tout le monde à Maurice ici, dans le Main Island, tout le monde par sa qualité du monde. Nous me présente nos excuses à sa place, puisqu'il n'est même pas qu'on respecte nous enseignants et nous mon frère Rodrigue. Deuxième point, évidemment, Van Cleaners, bien triste qui nous traverse, qui nous connaît sa fête du Valila. Alors qu'il y a Mme Clineuse, toujours en grève de la faim au jardin de la confine. Il est bien triste, il crée un mood dans le pays qui n'est pas si bizarre. Je me demande à nouveau, il n'est pas trop tard, je me demande à nouveau à Pravin Jagnat en tant que Premier ministre et au gouvernement, à l'occasion faite Divali, qui fait traverser, prend une initiative. Prend une initiative, débloque la situation. Je ne vais pas pour faire aucune suggestion précise parce qu'ils ne vont pas les substituer moi à ban gréviste de la faim et à ban syndicaliste qui paye support aux autres, mais capable de prendre une ou l'autre initiative pour débloquer la situation.
Il est dommage que, de nos côtés, nous avons une question parlementaire qui veut d'abord la moudie in poser, mais malheureusement, il est venu à la fin de la séance parlementaire complètement. Donc, très probablement qu'il nous pas pour arriver jusqu'à la question, malheureusement, nous pas pour arriver jusqu'à la question de Veda Balamoudi. Troisième point, c'est précisément sa rentrée parlementaire. Là, nous avons 3 jours de la rentrée parlementaire et Mme Speaker toujours en dehors du pays. Elle nous toujours pas connaît. Hein? Nous même pas connaît qu'on nous vous cisé. Quand je te connais, il y a 6 places dans la première rangée contre l'opposition, 6e. Nous t'y remplis tous les 6. Et ça, des camarades, des députés qui, dans un bout de net là, me disent pas agréable, parce que je carrément en bas, que le bon journaliste était là, il dit désagréable. On va néné, expliquer, coincé là. Mais il a dit 6 places. Mais à celle-là, nous avons 7. Donc, de toute manière, obligé, 7e là, il est obligé, l'autre 2e rangée, derrière nous. Obligé. Mon gars, ça qu'il m'amène, même pas foutu, comprend ça. Qu'il y a 6 places vivant, maintenant nous, 7 députés, nous obligés, prend la 2e rangée. Il trouvait que c'était un coup bas. Il dit n'importe quoi, ça. S'il est capable, réfléchir un peu plus rapidement qu'il dit causer. Donc, nous, ce qu'il nous proposait, nous mettre 4 dans la première rangée et 3 dans la 2e rangée, ou bien il y a une seule dimoune dans la 2e rangée, la partie travail se recule d'une rangée, vous nous faites une suggestion. Mais là, comme on m'a dit, à 3 jours de la rentrée parlementaire, toujours pas connaît qu'il y en a 8 du gouvernement d'ailleurs. À 3 jours de la rentrée parlementaire, pas connaît qu'il y en a 8 du gouvernement, pas connaît sitting arrangement, PQs, au moins, mon corps gouvernement, il a honte, il arrête sa simagré, il envoie 4 questions, une derrière l'autre. Pour ban même député backbencher du gouvernement. Seulement, le problème n'est pas réglé, parce qu'il est capable de recommencer la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et il est inacceptable. Et nous faire une suggestion raisonnable, démocratique. Là aussi, pas encore gagné aucune réponse, mais surtout, pas connaît qui Mme Speaker pour dire l'Oratna, l'Otarola, hein, il est vraiment dégoûtant. Et c'est dans une condition pareille là que la rentrée parlementaire peut faire dans 3 jours. Et là, il y a un seul projet de loi. Et comme toujours, soi-disant, first reading, second reading, débat. Après, je ne sais pas combien de mois de congés, là, qui m'en a parlement, réponse au travail. Standing orders, la pratique, comment nous tout connaissons? Si il y a un projet de loi, surtout quand il y a un projet de loi important, si il y a un projet de loi une semaine, laisse au moins une semaine passer après, mettre-le à l'ordre du jour. Tandis que là, il met-le first, second, third reading, mardi, supposément. Et ce n'est pas n'importe qui la loi, hein? C'est un National Employment Bill. C'est la loi pour remplacer le Employment and Training Act existant. Il y a la loi qui nous dit que l'État étudie, il y a une loi fondamentale. Et pourquoi me demander, on ne connaît pas si en sa capacité leader de l'opposition, Divaline Ferli, mais en tout cas, nous demander, moi espérer qu'il est le leader de l'opposition, demander de façon solennelle, qui m'a dit, on peut dans l'autre projet de loi, ok, nous demander, mais il arrivait souvent des fois ça, laisse le ministre concerné, le ministre du Travail, les présente ce projet de loi, les faire ce discours, après renvoyer les débats. Renvoyer les débats d'au moins une semaine, nous gagnons le temps d'étudier. Parce que mon pays dit, il n'y a pas n'importe qui projet de loi, ça, hein? Nous connaissons qui quantité importante la loi travail était. Mais là, il est inacceptable si on oblige, nous ne prenons pas d'avant le débat mardi prochain, alors qui. Là, Daniel Salvon ne m'apprend pas encore, même gagner sur de paper. Alors, il reste là, il reste à la campagne, il reste là. Je n'ai pas une raison, enfin, ça aussi, je n'ai plus foutu organisé. Donc, la rentrée parlementaire peut faire, dans une circonstance, pas normale du tout. 4e point, Mauritius. Là aussi, pareil. Là aussi, nous, nouveau
le nouveau, le premier Airbus A350 inarrivé, grand tralala, mais deux pilotes encore suspendus, et la situation encore complètement bloquée, le mood mauvais, ben, pilote senti d'être victimisé. Vraiment, c'est le board actuel et le management pégate absolument tout. Et cet imbécile de Sinatamboula continue. Pour ses erreurs, comment moi, tu rappelles tout, l'étivine fait une déclaration, c'est faux, tout perle bien d'après l'ingène, carotte exige. Pas n'importe qui c'est, non? Zizine montre qu'il est vraiment bien imbécile. Il dit tout le contraire de la vérité. Et Saint-Gérard, il dit à l'épouser le jeu, le jeu légal, il est obligé d'ailleurs. Et pour faire le nécessaire. Au lieu de fermer un peu sur la bouche, Sakula, il vient dénigrer ban pilote. Il vient dire qui ban pilote gagne plus qu'un million. Un million par mois. Et il est remis à sa place par un des chefs pilotes là, avec raison. Un professionnel qui est obligé de dire jamais de la vie, je mets au défi quiconque de prouver ces montants. Quel était le gouvernement ça? Quel était Dimoun ça? Si Sinatamboula a été. Et ça, c'est supposé pour la parole du gouvernement ça. Quand il finit fané, l'eau Saint-Gérard, ça coule à l'ivine fané. L'or et à Mauritius aussi. Prochain point, décision DPP, qui tire un communiqué hier. Hein, première affaire qui m'ont noté, hein, c'est, et m'ont oublié très positif, qui dans son communiqué, parce que le poste DPP, c'est un poste, vous ne fatiguez dire ça, mais bien répétez, c'est un poste constitutionnel, c'est un bon poste le plus important dans nos constitutions, et nos constitutions garantissent l'indépendance totale du DPP. C'est lui qui décide, qui s'en a pour poursuivre, sous quoi, quand pour arrêter la poursuite, etc. C'est un pouvoir constitutionnel considérable qu'il y exerce personnellement. Mais seulement, moi je dis bravo. Parce qu'avant, il exerce sa pouvoir. Là, dans le cas de Navin Ramoulam, dans ce communiqué, l'INFEA nous connaît qu'il y appointe a team of senior officers of the DPP's office. Un team de senior officers du DPP's office qui guette tout le dossier et c'est Zotinfer cette recommandation de poursuivre, en tant que team, Zotinfer cette recommandation de poursuivre Navin Ramoulam. Sous section 5 du Financial Intelligence and Anti-Monitoring Act. Et l'IN ratifiait sa recommandation. C'est sa décision sous la Constitution, mais me félicite qu'il nomme un team of senior officers, il ne prend ça personnellement, il dépersonnalise, si nous sommes capables de dire, et l'IN acceptait la recommandation de sa team-là. Donc, l'IP poursuivre. Navin Ramoulam, mais aussi l'IPE demande le commissaire de police agir premièrement pour faire un rapport à Integrity Reporting Services Agency sous section 9.2 of the Good Governance and Integrity Reporting Act et de référer toute son enquête à Mauritius Revenue Authority for possible revenue offenses. Nothing personal, man. Et dans mon cas aussi, mais la loi, c'est la loi. Et dit bon, quand la loi appliquée dans toute sa rigueur, mais aussi avec ça l'esprit d'équipe qui le DPP a démontré dans sa cale. Avant-dernier point, élection, d'abord révocation de président et vice-président à District Council Rivière-Noire. Et élection d'un nouveau président et vice-président. Allez mettre ça au clair, lis pas, parce que moi, la Gazette, une PMSD, la Gazette commence à insinuer. C'est qu'on dit un rapprochement MMM, MSM qui nous donne sa résultat. Là, pas du tout, il n'y a aucun rapprochement et MSM pas involve dans ces affaires-là.
Eh bien, c'est pas involved dans sa district council. Là, il n'y a rien à voir. En tous les cas, il n'y a absolument aucun rapprochement. Et moi, je crois que tout simplement, PMS, ce n'est pas un mauvais pays dedans. Vous dites, une période de présidence, c'est vrai, mais pour vrai même, la présidente et vice-présidente sont autant, c'est trop politisé, ça. C'est essentiellement la raison qui fait, d'après ce que je comprends, hein, moi, je même pas une discute ça en personne, franchement. Il n'y a pas une partie, qui que ce soit, il n'y a pas une affaire de parti. Mais il est vilain quand PMSD montrait qu'il y a une. Mauvais péadant, mais en même temps, ça montre nous qui PMSD, quand il pénètre Béki, il est foutu. Il visait un Béki. Mais c'est là qu'il a dit le Pina Béki, il perd du district council. Mais il vient faire, il y a une raison. Il dit, le PMSD, c'est le PMSD. Par contre, il y a un petit article qui me paraît dans l'Express de ce matin qui m'a tenu à faire un petit commentaire parce qu'il s'est joué aussi. Tout sujet à interprétation, à ceci, à rapprochement, à ceci, c'est là. Tout ça là, fausse net, il n'y a aucun rapprochement, pas pour il n'y a aucun rapprochement. Alors, je vous dis, ce matin, il y a un petit article, sondage constitutionnel qui supposait que le gouvernement peut consulter des partis de l'opposition. Des partis d'opposition, vous connaissez qui ont l'attitude d'être leur amendement constitutionnel pour qu'il y ait un premier ministre pas gagné droit exerce plus qu'il demande. Soi-disant, il faut qu'il amende la constitution pour, et visant Navin Ramgoulam. En tous les cas, d'abord, factuellement, personne ne va nous contacter. Personne ne va nous contacter, nous, et nous pas d'accord, franchement. Pas qu'il faut jouer avec une constitution pour viser un dimoun comme ça. Ramgoulam est bien fané. Applique la loi. Mais je suis fou. Je suis croisé pour venir amener la constitution pour viser un dimoun comme ça qui traite une constitution comme ça qui pouvait la politique à Maurice en 2017. C'est honteux. Comment on peut dire, pas une consulter nous, du tout. Nous compte. Complètement. Dernier point, élection partielle. Nous avons 14 jours de nomination D. Nous sommes présents. Nous campagnes parlent très bien. Mais il paraît clair que c'est à partir de nomination D qui le mood pour changer. Donc nous avons 14 jours de nomination D. Nous pouvons continuer notre travail pareil jusqu'à nomination D avec une accélération certainement après. Quant à Vijay Makan, depuis son retour au pays, un peu plus d'une semaine, en contact permanent avec lui, depuis son retour, malheureusement, pour bonne raison de santé, il a immobilisé la case. Le docteur, il prescrit un repos complet, il a immobilisé la case, contrairement à une petite article qui ne paraît, qui donne l'impression qu'il est en retrait, il dit ceci, cela. Malheureusement, comme on peut dire, il y en a un problème de santé. Mais jeudi, l'Inferma connaît jeudi qu'il espérait, qu'il la semaine prochaine, pour utiliser ce bon propre mot, il espérait qu'à partir de la semaine prochaine, l'IPU more mobile. Ça veut dire l'IPU capable commence déplacer. Et là, selon sur la santé, nous souhaitons qu'il y réintégrer le team qui peut travailler dans sa élection partielle là, au numéro 18. Merci. Linus,
solution-là nécessairement une solution politique. Et n'a plaisir quelque chose qui gouvernement, une initiative, le Premier ministre. Franchement, Adjaï, c'est bien causé l'autre. Il ne pas intéressé, faire du monde perdre, quoi, bien débloquer la situation. Et donc, il y a plusieurs initiatives. Si tu m'en demandes mon opinion, en privé, moi, je donne mon opinion. Il y a plusieurs initiatives qu'un gouvernement, qui ça gouvernement-là, un gouvernement capable de débloquer la situation. Bon, pas pour go public, précisément parce que le but, c'est pas mort, point, c'est pas faire du monde perdre, point, le but, c'est débloquer la situation. Donc, si du monde nous les connaît, qui l'idée, moi, à moi, moi, à mon idée, mon expérience. Mais ce qui m'a souhaité, c'est que là, Divali, c'est derrière nous, que passe un mauvais Divali, ça va, madame là, prend l'initiative, débloque la situation. Je veux dire que le Premier ministre est clair, c'est-à-dire que ça passe par le ministère du Travail pour t'aider. Non, ce qu'il fait, il fait. Le ministère du Travail, il passe par le ministère du Travail, ce qu'il fait, il fait. Là, quand nous étions, nous donnons un pass. Et nous trouvons que le syndicat invite tout le monde à un rassemblement dimanche matin. Donc, maintenant, ce qu'à lundi, mardi. Et ce que je souhaite, moi, c'est qu'il prend une initiative, débloque la situation. Troisième point, rentrée parlementaire, dans une condition dans laquelle il peut faire, et ça, la loi Employment Bill. Là. Il y a même une en faveur, donc on trouve la loi là. Non, pas quand même, il y a un grand matin. Ce matin, qui dépose le projet de loi, et sa qualité posée de la vie, il y a attentivement, il comprend les lignes, ça. Il y a des pays comme la France, la paix amende la loi du travail là-bas, sa qualité remous qui s'est posé, sa côté, sa qualité tiraillement qui s'est provoqué, la loi du travail est quelque chose de bien, bien, bien important, fondamental. Mais là, on ne peut pas encore guette la loi là, on guette simplement sur covering. Le covering note, quand il vient dire, l'objectif is to repeal the Employment and Training Act and enact a more appropriate and modern legislative framework in order to address the needs of the labor market. Le cadre existe là, c'est un massif. The needs of the market, labor market, ça veut tout dire. Et avec raison. Mais puis il y a un full débat. Je supposais qu'il y ait un syndicat pas quand même pour la loi. Je supposais. Et puis, il y a un syndicat, un employeur de l'autre côté, un syndicat surtout, qui a un texte qui a été étudié et réagi. À quoi vous êtes, à le parlementaire de l'opposition, c'est besoin pour le conseiller. Est-ce qu'il pourrait répéter la concertation avec le parlementaire de l'opposition? Si nécessaire, oui. Si nécessaire. Ce qui est arrivé dans le partiel, ce qui est arrivé en dehors au Parlement, ils ont un thing. Mais s'il y en a pour coordonner à l'intérieur du Parlement, nous en faveur, nous toujours en faveur, et nous toujours en faveur. Qui pose cette réaction à cet arôle-là? C'est ça, non, tu as l'air là, je me dis, moi, un petit peu sec, ça fait avec. Chakil Mohamed, bon. Mais franchement, il n'est pas gagné causer sans même réfléchir. Mais on peut dire, clairement, il n'est même pas réalisé. Il y en a 6 places. Aujourd'hui, nous avons 7. Donc, de toute manière, nous visons un deuxième rang. Là, alors, au lieu de mettre 6-1, nous pouvons proposer 4-3. Non. Il monte sur le grand chevaux, il ne comprend rien. Il dit, c'est un coup bas. Mais qui coup bas? Alors, c'est comme ça, si je supposais que l'opposition choisit dans l'unité au Parlement. Oui. Qui pose votre réaction à cet arôle-là, réponse de place de BPS, gentil. D'aller dans un groupe parlementaire de nos côtés, et l'arôle-là, par exemple, Chabon qui a une coordination au niveau de l'opposition, dans sa cas-là. Il y aura là aussi mon égard, qui est speaker pour faire. Est-ce qu'il nous connaît votre speaker? Oui.
Oui, pas de passeport Interpol, non, il y a moins. Mais quand nous lisons la presse internationale, rien n'est plus secret. Il y a une conférence, entre autres choses, probablement, il passe faire shopping à Londres, probablement, il passe prendre un bouillabaisse à la Marseille. Vous ne connaissez pas, mais ceux qui me connaissent, c'est qu'il ne prend pas dans l'assemblée annuelle de Inter-Parliamentary Union. C'est quelque chose de bien important, parce qu'il peine à pouvoir institution qui regroupe et les Nations Unies, ok, tout le monde membre des Nations Unies, tout le pays membre des Nations Unies. Mais à part l'Assemblée Générale des Nations Unies, il n'y a pas de Nations Unies, il n'existe IPU, Inter-Parliamentary Union, qui regroupe le Parlement de tous les pays, y compris le pays, le pseudo-Parlement, le Parlement, mais n'empêche, y compris tout invité. Et là, il y en a un plus grand rassemblement de tout le parti membre de IPU en Russie. On va chier à Moscou, bien Saint-Pétersbourg, mais en tout cas en Russie. Saint-Pétersbourg, ancienne capitale de la Russie. Ce qui fait mon compte ça aussi, c'est que le député, le speaker de Seychelles, il prend une initiative, il fait une réunion devant petite île, ST. Small Developing States, donc malheureusement il y a une mauvaise classe encore une fois autour d'Israël-Palestine, là-bas aussi, mais je ne sais pas qu'on est quand il va rentrer. Et ça, il y a IPU là, on n'est pas d'accord, moi, qui saisissent le speaker aller avec député speaker, on n'est pas d'accord du tout, c'est un rassemblement de parlementaires ça. Ok, mon speaker, allez, ok. Mais puis c'est même parlementaire, je participe pleinement, mon pédia, et puis il est extrêmement important. Mais là, c'est juste speaker et député clair qui allait pour ça. Et dans les précédentes réunions, c'est la parlementaire. Oui. Oui, mais mon dieu, non, peut-être pas si là, mon dieu, ici, ministère des Finances. C'est un qui est arrivé quand une boucle. Premier ministre, même n'est pas la hauteur. Moi, il y a une zone terrible, les premiers ministres et ministres des Finances. Résultat, entre autres résultats, par exemple, ce qui nous fait causer là, finances, ils ont décidé pour diminuer grâce. Il y a une belle triple, ils diminuent l'argent qu'ils gagnent, qu'ils donnent pas allemand. Ce n'est pas fait à ça, enfin. D'un trait plus diminué. Et quand diminuer, madame speaker, quelque chose à faire en premier. Alors, quand vous avez coupé, je commence par couper l'opposition. Là, l'opposition peut aller jusqu'à obliger à l'église, par exemple, Pan-African Parliament, Veda Balamouti, là-bas. Parce qu'il est dans l'exécutif, il est élu. CPA, pardon. Il est dans l'exécutif. Sinon, il peut couper même. Qu'il fait ? Parce que le ministère des Finances, il coupe l'argent qu'il donne au Parlement. Madame Speaker peut couper. L'opposition et même pas le même que ce gouvernement, tout le gouvernement. Est-ce qu'il y a avec la part aussi avec tout le monde pour la solution qui peut proposer un complot, on va mettre en bande pour le moment. Comme on dit, nous souhaitons qu'il fait la différence entre une élection partielle qui peut dérouler, nous mettons différence et divergence politique en général, surtout nous et le PMSD. Nous toujours souhaitons qu'il nous fasse la différence et qu'il convise à coordonner dans le Parlement, comme dans le cas de Carola. C'est certainement possible, il dépend de la bonne volonté, il dépend de différentes parties. Tu allais donc vous parlementer pour que sa question qui est un député ML vous posez contre le MMM par rapport. On trouve ça dans ODP, une question qui vise directement le MMM dans le Parlement. Ah, ça, tu crétais de Radna là. Ben, tout de même. Et en fait, tous les. Il peut faire une fausse allégation. Nous connaissons. Mais si tu n'as pas de base casse, nous faisons comme les autres. On est liquide. Fais la trace. Mais tant qu'il faut, bien hier, mais pénatrace.
Dans le monde, nous travaillons très, nous, chaque bonne contribution, chaque au nom du Dieu. Donc, il y a une contribution, et on connaît qui c'est là. Nous tous connaissons qui c'est là, qui viole le secret bancaire, qui viole la loi pour faire une photocopie d'un chèque. Mais chèque là, il y a une banque chèque. Il n'y a pas un chèque d'intérêt, il y a une banque chèque. Moi, je connais qui c'est là. Vous n'auriez pas dit connaît qui c'est là. Mais pas ça, tu crétin là. Il peut faire cheap politics comme toujours. Et quand nous connaissons qui est MSM, nous connaissons. L'allégation, c'est que c'est une contribution de BAI. Oh, il y a une banker's check, moi, mon connu, c'est un, sur contribution. Mais par contre, nous tout connaissons, comme si tu es contribué à MSM, il contribue dans BAI, pardon, contribuer dans MSM, combien l'occasion, papa. Avant qu'il va naître, je casse, je tourne une derrière, là, tiens, je fais de casse dans Bramersbeck. C'est bizarre, à ceux dans la rate. Oui, toujours l'eau rentrée parlementaire. Et la religieuse. L'irremplaçable s'inattendu. Comme clown national. Ok, décision du pipi concernant mon bon ami Navin. L'homme au cofofo. Mon voisin, quoi. Voisin au cofofo. Ok. District Camille Rivière-Noire. Et c'est, y compris ça, soi-disant amendement constitutionnel qui se fait envisager. Parce que bon, Dieu. Rivière-Noire, c'est un militant qui va être présent sa position de blanc. Oui, il y a une banque du comité central. Ça qui crée la confusion, non? Ben oui. Faire confusion, mais ils n'ont pas connu qui confusion te peut causer. Mais ben, la confusion, ils tirent un tel du PMSD, ils mettent le divoune. Et ça aussi, je ne comprends pas comprendre. Franchement, mon gars, mon gars, madame là, il y a un plein de choc. Il y a jusqu'à dimanche 10 ans ensemble. En fait, c'est l'élection. Naturellement, j'ai dit, il faut saler, oh. Alors, ça, là, il félicite. Il fait une grande déclaration. Il dit, chez Kaouzou, il sera bien représenté. Il fait qu'un dimanche 6. Vous savez, en fait, cette élection, quand un élève, vole face complète. Ça, c'est le PMSD. Est-ce que la motion a été pilotée pour la direction de l'élection? Pourquoi? Pour la direction. Non, on ne peut pas dire, moi, la direction, l'idée, moi, je vais discuter avec PSE. Moi, on connaît, nous faisons suivre. On demandera ce qui peut arriver, qui peut ramener. Il n'est pas parti politique. Ce qui est arrivé là-bas, il n'est pas parti politique. Et ce qui nous bâtit content, c'est précisément ma tentative, enfin, pas juste tentative, la façon qu'il fait MSD, il servit le district council. Pour parti politique. Ça ne nous va pas apprécier du tout, mais le move pour mettre une nouvelle équipe à la tête du district council, il n'y a rien à voir avec parti politique. Bien, dernier point, élection partielle. Vous satisfait comment il peut passer le terrain pour les mêmes? Très satisfait. Comme on dit, là, nous comprenons pas très bien. Très satisfait, Manuel Campagnol, très satisfait. Mais il est clair qu'il moude là pour changer à partir de Nomination Day. Les fêtes qui avaient SMP sauvé, pas maintenant, il a aussi dit il y aura un travail de mobilisation plus difficile qu'il y a été si tu es un adversaire du gouvernement. Et nous comprenons très bien qu'il a sauvé. Ok, il y a n'importe qui le point, comme toujours. Sinon, merci, on a un groupe parlementaire qui nous fait en place la même. Donc, bien qu'il nous beaucoup apprécie votre présence.
beaucoup approché du départ.